T'aimes ça la neige, Banjo? Oui, mais il faut jouer, il faut pas se rester assis. Ben là, viens-toi, Banjo! Viens-toi! Ouais! T'es bien beau, t'es indépendant. T'es tout seul dans le salon. Wow, t'es un beau chien. Hier, j'avais oublié de vous montrer, mais regardez les belles fleurs que mon chum m'a achetées. Elles sont tellement belles. Puis il m'a acheté ça comme ça, là, en surprise, pour aucune raison. Je trouvais ça trop gentil. Sorry, guys, j'ai le meilleur. Je ne sais pas si vous voulez voir le jour parce que dans le fond aujourd'hui c'est le shower de la belle Kim. Puis oh mon dieu, j'ai mal dormi là. Je n'arrêtais pas de faire des cauchemars, genre que je me rendais là-bas. Puis elle habite quand même loin chez moi, c'est environ 1h30. Puis c'est ça, dans le fond, j'arrêtais pas de faire des cauchemars que j'oubliais son cadeau ou que genre, je sais pas, là, j'étais à la merde, puis à moi. Je sais pas pourquoi je faisais ces rêves-là, puis j'arrêtais pas de me lever comme aux heures parce que j'avais l'impression que j'allais passer tout droit. Hein, je sais pas pourquoi, ça me stressait de même. Fait que c'est ça, ça va être même fun. Puis là, ben c'est ça, j'ai comme 3 heures de route à faire là aujourd'hui. Fait que je sais pas, tu sais, qu'est-ce que je vais vous dire. Peut-être que je vais jaser. Puis là-bas, je sais pas si je vais filmer aussi là. À suivre, je vais peut-être lui proposer de faire des clips là, pour elle parce qu'elle ne veut pas, elle va être dans le moment présent. Fait que, je sais pas si elle va vouloir que je vlog pour elle. Sinon, ben, vous irez voir son vlog. Puis, je me suis fait un bon petit smoothie pour commencer la journée. Dans le fond, c'est ma même recette que d'habitude. Mais j'ai rajouté du yogourt pour me souvenir un petit peu plus parce que. Là, je pars à 11h d'ici pour être là-bas à 1h. Puis c'est 1h30, mais on dirait que vu qu'il y a neigé et tout ça, tu sais, je préfère y aller tranquillement puis prendre mon temps. Quitte, je dois genre m'arrêter. Il faut que j'aille gazer puis tout aussi, là. Puis que, tu sais, ça sera bon. Et, c'est ça, fait que, tu sais, je pense pas vraiment à dîner. De toute manière, à la fin de semaine, je fais juste comme un. Je prends un gros déjeuner. Fait que là, je pense que je vais me faire genre un bon gruau, là, tu sais, que ça va me bourrer. Donc, je me prépare. Petite chemise en jeans. Excuse-moi, là. Mon chum est allé déblayer l'auto. Fait que là, Banjo capote parce que là, son papa est parti. Puis avec une petite chemise. Banjo, tu mets plein de bave, arrête! Une petite chemise en velours. Banjo, arrête! En velours! Avec des bonnes longues. Je trouvais que ça faisait comme. Je savais pas s'il fallait que je m'habille chic, je savais pas s'il fallait que je m'habille trop casual. Fait que je trouvais que ça faisait le haut casual puis le bas chic. Hein? Juste un milieu. Puis là, je m'apprête à prendre la route. Je me suis fait un petit gruau. Puis. Oh, je suis énervée! Bon, donc, je suis partie. Je suis rendue à Saint-Jean. J'ai fait le plein. Puis, mais ça va bien, là, j'ai vraiment hâte. Les routes sont bien, là. Ben, je suis sur l'autoroute, hein, fait que c'est pas si pire. Fait que, ben là, prochain step, chez Kim! Bon, donc là, je suis sur la route du retour, puis c'est pas beau. Il y a de la pluie verglaçante. Je roulais à 50 sur l'autoroute 10. Puis on va se dire, l'autoroute 10, là, moi, en termes d'autoroute, c'est pas ma préférée. Là. Ma préférée, c'est la 20. Ben, je connais pas ceux de la Rive-Nord, là, mais mettons, là, la 20, là, me semble, est toujours belle. Mais la 10, me semble, c'est tout le temps l'air. Fait que là, ça m'a fait tester toutes les astuces pitons qu'il y a dans ma voiture parce que, hey, moi, j'ai jamais eu ça, là, un troisième wiper, là, comment partir ça? Mais j'ai trouvé. Sinon, aussi le dégive machin. Parce qu'à un moment donné, il y a eu de la pluie verglaçante, puis ça gelait sur ma. Sur ma vitre. Parce que c'est clairement la température où est-ce que tu vides tout ton lave-glace. Tu sais, là, quand tu roules, puis là, faut que tu mettes du maudit lave-glace à chaque 2 secondes et quart, là.
mais c'est cette température-là. Puis là, c'est ça, il y avait de la pluie verglaçante qui tombait, puis ça gelait. Puis là, pourtant, j'étais comme, ça chauffe. Il me semble que je l'ai mis à chauffer, mais il y a un autre piton. Je vais allô mettre autant de pitons inutiles, Seigneur. Fait que là, je me dirigeais sur l'autoroute, parce qu'on voyait rien. Ça roulait 50, quand soudainement, j'ai vu les arches dorées! Donc, je suis arrêtée de me chercher un petit McDo. Non. J'ai arrêté de manger les frites parce que c'est qu'est-ce qui mange le mieux en voiture. Puis, en vrai, j'avais vraiment. Puis, en plus, j'avais vraiment envie de pipi, là. Je suis partie une heure, j'étais allée faire pipi avant, là. Puis, j'étais plus capable, j'avais quasiment une crampe, là, tu sais. Je me suis pris un coke, question d'avoir encore plus envie de pipi tantôt. Hop, de revenir. Puis, ben, c'est ça, je me suis pris des petites frites. Je n'en voulais. Mais, que c'est ça, c'était vraiment le fun. C'était vraiment cool. Tout le monde qui était là était super gentil. Puis, j'ai parlé beaucoup avec Alexandra Larouche. Là. Mon Dieu, cette fille-là, là, c'est une perle. Elle est tellement gentille, là, ça n'a pas de bon sens. Puis, sa petite fille, oh Seigneur, elle est tellement cute. J'en reviens pas comment elle est cute. Puis là, ben, je m'en retourne tranquillement, là. Ça va quasiment, je pense que ça va me prendre 2h30, hein. En tout. Je suis partie à 5h, puis là, il est mes 6h, puis ils me disent que j'ai encore 1h et quelques. Puis, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je suis pas pressée de revenir chez nous, parce que là, mon chum m'a invité ses chums de gars à regarder le Super Bowl, fait que... Je lui ai dit, garde-moi, il fait une bonne petite pizza roulée, là, de 3 fois par jour. Faut trop que vous essayez ça. Mon Dieu, je suis en train de cuire le siège chauffant. C'est fou, hein? C'est ça, j'ai dit, garde-moi une petite pointe. Fait que là, je suis pas vraiment pressée de revenir avec eux. Ouais, là. Mon Dieu, j'ai pas faim aujourd'hui. Je suis comme trop énervée. Ça rentre pas vraiment. Donc, je vous dis bye. Je reprends la route. Mon Dieu, je parlais de la bouche pleine, toujours même alcoolée. Puis, ben, c'est ça. Ben, voyons donc, ils me font passer par un chemin de campagne. Un chemin de campagne pour aller chercher la vin. Genre, j'adore la vin, mais à quel point je vais pas passer par un chemin de campagne, là. Je vais chercher la 10. Une fois, j'allais chercher la 10, la 30, puis la 20, puis prendre le pot du net. C'est plus long, mais... Je sais pas. C'est plus dans mon coin. Moi, je vis dans l'est de l'île. Ouais, je connais pas ça. La 10. Je prendrais bien la 10. Je prenais la 10 pour aller genre à Bromont quand j'étais jeune. Bon! Ouais. On dirait que ça rentre pas. Je reprends la route! Tranquillement, inquiète-vous pas. Mon Dieu, j'ai mangé un écureuil. Ma fille va t'enlever les dents de sagesse. Oh my god! C'était, ma foi, tout un sport sans revenir. Là, il est 7h30, on voit rien. 7h30, puis je suis partie, il me semble, vers 5h moins quart. C'était dangereux, là. Ça même... Hey, je pense que mes mantes sont en train de fondre. Parce qu'il fait 40 dans mon char. C'était le seul moyen. C'est de la glace qui tombait. Puis ça collait là au pare-brise. Je vais arrêter mes wipers. Arrêtez, je suis rendue chez moi. C'est ça, il faisait. Hey, excusez-moi. Ouh, là, je dois quasiment avoir des cernes de sueur, là, tellement. Hey, 40. Je vous dis, là, je me sentais comme dans le sud, là, où, quand tu te bronzais au soleil, là. Parce que c'était le seul moyen. Je sais pas comment vous mettre. On dirait que vous ne pas. Ok. C'était le seul moyen pour que la glace reste pas collée sur les. La vitre, Seigneur, sur le pare-brise. Et c'était fou le nombre de gens qui s'arrêtaient sur les autoroutes. Là, j'ai croisé au moins 60 personnes sur les 4 flashers. Puis il y en a 5 personnes que je suivais, là, vraiment l'auto en face de moi, qui se sont tassées sur les 4 flashers comme ça, là, de même.
parce que j'imagine qu'il voyait plus rien. Même moi, il faisait environ, je vous dis là, 40. Hey, j'ai fini mon témoin de lave-glace, il s'est éteint. Puis il est plein parce que la voiture, on l'a depuis 2 semaines. Puis quand on était au concessionnaire, ben j'ai demandé pour qu'il check s'il était plein. Puis il était plein. Puis il était plein là, au rabord. Et c'est quelque chose. Puis, je vous dis là, genre, là, grosse review de char en ce moment, c'est de shit! Hey, sérieusement, j'étais tellement stable sur la route là. Je vous dis, si vous avez un véhicule à vous acheter, c'est celui-là. J'en reviens pas comment que c'était fou. J'étais stable. Ok, il faisait genre 40 dans mon char. Je vous dis là, genre, je dois avoir là, un set gros de même. J'ai tellement chaud. J'en ai fini mon coke. Quand est-ce que tu finis un coke au complet du McDo, tu sais? En tout cas, pas moi là. Mais j'avais trop chaud. Puis, je vous dis là, il va tellement bien là. C'est malade. Sérieusement là, j'ai fait le test ultime là. Puis petite capsule comptable ici pour les intéressés. Tu sais, il est coté quand même qu'il consomme beaucoup. Là, pour vous donner une idée, j'ai fait. Ben là, il est rendu. Ouais. Fait que j'ai fait 2h45 de route pour le retour et 1h30 de route pour l'aller. Puis je l'avais rempli là avant de partir ici à Montréal. Il était à full. Fait que j'ai utilisé le tiers pour quand même 2h45 plus 1h30. Fait que pour 3h45 de route, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment pas si pire là. Puis oui, c'était de. Oups, Pélaï! Coucou! Oui, c'était de l'autoroute, c'est supposé moins consommer, mais de l'autoroute. Je faisais pas de l'autoroute là, c'était genre 30, 40, 50, 60, 30, 40, 50, 60. Tu sais, c'était fou comment que. C'était comme en ville là, mais dans le fond, je m'arrêtais pas bien. Mon Dieu, je voulais vous parler un petit peu parce que les amis à mon chum sont là. Puis là, si je rentre, puis c'est le mess, je vais être genre les nerfs à vif. Fait que là, je prends un petit moment de respiration. Et puis je rentre après voir Monsieur Banjo. C'est de la thérapie, écoute. Mais pour vrai, tu sais, oui, c'était vraiment intense sur la route, mais j'ai quand même eu du fun, là. Moi, c'est rare que je fais des longues routes. Fait que j'ai mis de la bonne musique. Et puis, c'est ça, je suis allée tranquillement, vraiment sécuritaire. Puis, ça valait tellement la peine là-bas. Là, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Fait que, ben, je sais pas si je vais vous reparler. Ben oui, je vais vous reparler. On va être. Mais en même temps, les amis à mon chum sont là. C'est un petit peu gênant. En tout cas, je vais vous dire bye tout de suite. Puis, sinon, je filmerai des petits clips. Ah, Manjo! Allô! Ouais, donc c'est ça là, je suis rentrée, j'ai pris ma douche, ça fait tant du bien, j'ai pris une douche froide, c'est tellement rare en hiver que je prends une douche froide là, mais j'avais tellement chaud, parce que je sais pas si j'ai été claire là tantôt, mais tu sais, il fallait que je mette la température vraiment au maximum à l'auto, parce que sinon ça gelait tout de suite sur le pare-brise, mais quand je la faisais chauffer au moins, oh regardez, il me colle, j'ai ennuyé de moi. C'est ça, si je chauffais pas au max, ça gelait tout de suite sur la vitre, tandis que là, ben, ça dégelait là, ça. Mais tu sais, c'était quand même assez intense. Puis, je suis genre tellement sur un high de ma journée, j'ai tellement aimé ma journée, là, j'ai rencontré full de bonnes personnes, là. Il y a l'amie de Kim, Tania, que je me suis vraiment bien entendue avec elle, son amie aussi, Vanessa, avec sa petite pupusse, là, oh my god, il était tellement gentil. Il y a tellement de monde avec qui j'ai parlé, là. Tout le monde était vraiment, vraiment trop fin. Puis c'est ça, j'ai l'impression de m'avoir fait plein de nouveaux amis, là. En tout cas, Kim est vraiment bien entourée. Puis ben, je suis vraiment contente d'avoir appris à connaître ses amis. Puis ben, c'est ça, c'était vraiment une super belle journée. Merci encore, Kim, là, pour l'invitation. Puis... j'ai bien hâte de voir la belle petite binette Anata. En tout cas, il va être pas mal aimé, cet enfant-là. Puis, ouais, j'ai vraiment passé une belle journée. Puis moi, je vais vous dire bye tout de suite. Je pensais que je vais quand même me coucher, là. On dirait que je suis comme sur un high.
Puis, je vais peut-être aller regarder un peu Super Bowl avec les amis à mon chum. Ben, c'est super gentil, les amis à mon chum, mais le Super Bowl, si on dit, c'est ça qui me tente un peu moins. Là. Ou je vais peut-être faire ma sauvage, puis commencer la série This Is Us. Je sais, j'en ai pas commencé. Je peux pas croire que je suis indigne de même. Inculte, voyons. Fait que je pense que je vais peut-être commencer ça. Ouais, j'ai comme cédulé là-bas. Donc, bye, puis au prochain vlog. Banjo, tu dis-tu bye? Hey, les jouets dans le lit, c'est non, ça. Hey, donne-moi-les. Bon. Bye!